Bonjour. Bon, voilà. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde pour le moment. Je sais pas. Hop, hop, hop. Je regarde. Retourner sur Twitch. Ouais, effectivement, on n'est pas nombreux pour le moment. Donc, bah aujourd'hui, on va. Ouais, possible. Bon, après, je fais ça aussi à l'arrache. Donc, après, c'est, j'ai une volonté plutôt de faire découvrir aux gens ce qu'est l'IPMI. Parce que bah, tout le monde ne connaît pas cette technologie. Ce qui est dommage. Après, tout le monde n'a pas forcément accès à des serveurs et s'amuser avec. On verra bien. Ah, j'ai oublié de faire ça. Bon, pas grave. Bon, bah, je vais commencer par présenter ce dont j'ai comme matériel. Hop. Donc la carte que j'utilise, c'est une carte de chez ASRock. C'est la 4000, moins 470 D4U. Dessus, j'ai rajouté une carte qui permet de mettre 4 SSD NVMe sur le port CX parce que les deux ports NVMe, il y en a un qui est câblé en 2X et l'autre qui est câblé en 4X mais en PCI Express 2 si je me trompe pas. Pop, pop, pop. Mais globalement sur les perfs, ça se voit quasiment pas. Ça reste hyper discret. Tac, tac, tac. Donc là, je ne vois qu'il y a. Bon, c'est pas une grosse carte, hein, IPv6. Elle commence à dater cette carte-là. Dessus, c'est un Ryzen 3. 3500, c'est un Ryzen 5 que je crois que j'avais mis pour dire à quel point je connais mon matos. J'étais en train de chercher, voilà, les slots M2. Ouais, donc voilà, c'est ça, PCIe 3 sur deux lignes PCI 3 et sur 4 lignes PCI 2. Donc ça se joue un petit peu au niveau des I/O, ça peut jouer, mais en termes de débit, ça changera pas grand-chose. Donc voilà la présentation. Après, c'est dans un boîtier custom que j'ai à côté. C'est un boîtier 3 ou un 3U. C'est un 3U que j'avais acheté avant. Au Royaume-Uni, avant que ils sortent du Brexit, j'avais acheté ça, je crois, pendant le premier confinement. Bon, il me rend bien service et je pense que je vais en racheter un nouveau et changer de carte mère très certainement, passer sur une AM5 si c'est disponible. La M5, pourquoi pas racheter un Epic d'occasion, c'est qu'en termes de performance, ça ne vaut vraiment pas le coup. Autant prendre un i7 ou un i9 en AM5, on arrive à avoir des perfs, un rapport qualité-prix qui est relativement intéressant. Salut Chavenay! Donc là, on va aller sur l'IPMI. Donc pour ceux qui ne savent pas l'IPMI, il y a plusieurs noms. Chez Dell, c'est Lidérac. Chez HP, c'est ILO. Chez d'autres, c'est BMC, IPMI. C'est très variable. C'est un standard.
Hop, je vais revenir sur ma carte. Donc voilà, c'est le BMC contrôleur, c'est un ASPID. Donc ça, on retrouve ça sur des cartes Super Micro. C'est quelque chose de relativement fréquent. Là, c'est du gigabit LAN. Pendant très longtemps, ça a été du 100 mégabits. Ça pose pas énormément de problèmes en soi. En dehors, quand on balance des images ISO à travers l'IPMI, ça peut être intéressant. J'ai acheté ce qu'était. C'est pour ça qu'il faut faire très attention chez ASRock. Il faut aller sur. Hop, tiens, je vais virer spécification. Ok, bon, il met le truc d'entrée de jeu. Oui, Chavenay, PIC-AVM. Pour ceux qui n'ont pas de KVM, ça peut être une très très bonne solution. À condition d'avoir un Raspberry Pi. Mais c'est une solution qui est parfaitement utilisable. Sinon, faire comme moi. Normalement, j'en aurais pas besoin. Donc, techniquement, je vais revenir en plein écran. Donc, j'utilise ça moi. Pour être tranquille, de la capture HDMI direct. Faudrait que je retrouve sur Amazon, parce que j'ai acheté sur Amazon, ça coûte les 20 balles max. Ça peut être une solution. Après avoir un clavier avec un dongle USB, moi c'est ce que j'ai sur mon clavier Logitech, donc je peux choisir trois périphériques. Ce qui est très pratique, c'est quand le Bluetooth est activé, je peux mettre, j'en ai un pour le boulot, un autre pour mon PC, et après c'est mon dongle que je balade de machine en machine quand j'ai besoin. Mais là, avec le KVM, je serai tranquille. Et je regarde, avec la pénurie, du moins la pénurie qui est sur la fin. Tac, tac. Ah ouais, il a quand même bien fait évoluer le bousin. Ouais, non, PIC-AVM, je conseille. Hop, moi, je retourne ici. Donc là, on est sur notre page de connexion du serveur, donc de l'IPMI ou de la puce BMC. Là, c'est très original puisque je n'ai strictement rien changé. Après, voilà. En langue, on a que de l'anglais. Hein. Après, je parle pas les différents chinois. Wow, petit artefact. Donc l'IPMI permet de. Donc là voilà, j'ai la référence de ma carte mère. J'ai la version du BMC qui est pas à jour. Il faudrait que je le mette à jour. La version du BIOS. Donc je peux pas aller au-delà de ce BIOS-là, sinon je perds l'accès à mon CPU si je mets un tout récent. C'est assez casse-pied, la version du microcode, donc on n'est pas si à la bourre que ça. Puis ça, je sais plus ce que c'est comme fameux. Ah, excusez-moi. Merci, Dilwag. Oui, donc voilà, comme je disais, au niveau du. Bon, la page de connexion, on s'en fiche. Hein. Faut aller, si. Donc, pour se loguer, hein. Rien de bien bien méchant. Pourquoi j'ai des artefacts à la con là sur mon écran? Donc admin par défaut. Là on choisit notre langue. Ah non non non, l'IPMI, on peut. Tout à l'heure dans les commentaires, on parlait de l'IPMI avec l'utilisation du port série à travers le LAN. Oh, les prix commencent à diminuer, Chavenay. Ça commence à diminuer. Pour le moment, ça coûte un peu un bras.
Mais faut laisser du temps. Mais là, j'ai regardé sur les puces. Ce que j'étais intéressé sur eBay, j'ai vu des AMD EPIC, des 16 cœurs ou des 24 cœurs. Et quand je vois les perfs brutes théoriques, sachant que c'est basé pour des raisons de coût, ça sera soit sur du Zen 1 ou soit du Zen 2, prendre un AM5, ça l'explose. Donc, rapport qualité-prix, il n'y a pas le choix. Attention, Chavenay, il faut faire attention. Ça va dépendre si c'est du Zen 1 ou du Zen 5. Si c'est du Zen 1, Zen 1, Zen 2, Zen 3, Zen 4, on n'aura pas les mêmes performances. On arrive à avoir des très très gros deltas de performance avec un EPIC Zen 1. Hop, je vais essayer de trouver ça. EPIC Zen 1. Winchip. Oh putain de pub de merde. Donc voilà, les Zen 4, ça va être autre chose. Hop. Naples. Est-ce qu'il me met? On va prendre un. On va prendre celui-là par exemple. Passmark. Donc on est à 14 000 de puissance pour un 16 cœurs. C'est un Zen 1. Attendez, j'ai peur de dire une connerie. Naples. Ouais, c'est ça. Après Rome, c'est du Zen 2. On va reprendre un 16X. On va prendre celui-là. Donc là déjà on voit la différence entre un Core Zen 1 et un Zen 2. C'est relativement brutal en perf théorique. Hein. Je dis bien théorique. Et pop, pop, pop. En Zen 4. Je connais pas toute la famille Ryzen par cœur. J'ai pas pris le temps. Ryzen pop, pop, pop. Core 16. Pop, pop, pop. Ryzen 9. Donc on va prendre celui-là. Oh, ça m'emmerde de prendre. Ça m'emmerde de prendre un truc en 3D, c'était pas forcément ce que je voulais. Donc voilà. Zen 1, Zen 2, Zen 4. Vous voyez la différence de perf? C'est pas forcément. Après, faut être honnête, hein. On reste dans du théorique. Ah, attendez, j'ai fait une connerie là, j'ai pris un 8 raid. C'est un 16 moi qui m'intéresse. C'est le 16 thread moi qui m'intéresse. Donc lui je le dégage. Donc voilà, Zen 1, Zen 2, Zen 4. Donc voilà pourquoi je ne tape pas forcément dans du épique à titre personnel. C'est qu'en termes de rapport qualité-prix, si je prenais de l'occasion, si je prenais de l'occasion, je serais moins performant qu'un Zen, qu'un Zen 4. Et là, je vais vous prendre pour la forme. Donc, on va partir sur un 5009.
Ouais, on va partir sur le X, on s'en fiche. Donc lui qui est basé sur du Zen 3. Vous voyez la différence entre un EPYC Zen 2 et un processeur grand public. Et là, on n'est qu'en 12 threads, que 12 cores, 24 threads. Donc voilà, pour faire des home labs, ça n'a pas forcément grand intérêt. Non, les EPYC, c'est Chavenay, c'est maximum 2 CPU. Ça va pas à 4. Ouais, par contre. Donc voilà, pour de la maison, pour ceux qui veulent se faire plaisir, vous pouvez prendre voilà, des cartes mères chez ASRock Racks. Ou chez Gigabyte. Il y en a plein d'autres qui font ce type de cartes. Disponible chez Supermicro, Tian ou Tian, ça dépend les personnes. Voilà, ça permet de bien économiser. Donc je reviens sur cette partie là. Donc là, comme je vous disais, on a le modèle de notre interface. J'ai vu des cartes mères gigabit via les puces BMC. Globalement, c'est la même interface. C'est du standard. Donc là, on a la version du BMC qui est pas à jour. Si je la mets à jour, c'est comme pour le BIOS, j'ai un souci avec mon CPU. Mais rien de bien méchant. Le microcode, donc c'est la partie CPU qui permet de corriger des bugs au niveau du processeur. Là, j'ai mon adresse MAC de mon interface IPMI ou BMC. Je suis en statique, mon IP, IPv6 en DHCP, de toute façon, je ne l'utilise pas. Vu que c'est une alimentation ATX standard dans un boîtier rack 3U générique, donc forcément je ne récupère pas beaucoup de données, mais si on a une alimentation qui est adaptée sur la carte mère, on a un connecteur qui va permettre de remonter tous les autres voltages de la carte mère, ainsi que les ventilateurs et tout le bazar. Moi je l'ai acheté chez LDLC. Gizmo, je l'ai acheté chez LDLC, la mienne. Ouais, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Le modèle, hop, c'est ce modèle-là que j'ai acheté. Bah, attendez, on va faire la recherche. LDLC. Je ne sais pas s'ils l'ont encore en stock. Donc voilà, c'est celle-là que je l'ai prise chez LDLC. On va retourner sur carte mère. Chipset format. Plus de filtres. Utilisation serveur. Allez hop, on va mettre par prix croissant. Donc c'est la moins chère. Donc là, je vois la X570, donc ça, c'est du socket AM4. En Asus Pro, ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a de l'IPMI sur celle-là? C'est peut-être pas sûr. Tac-tac-tac, Gigabit LAN, Dual M2. Non, là on est plus sur une carte mère de type station de travail. Là, voilà, pour 100 € de plus de celle que j'ai achetée, qui est en rupture, il y a celle-là avec un processeur. Hop. Donc 429. Allez, je vais vous faire plaisir. Pièce informatique. Tac-tac-tac. Processeur. Marque AMD. C'est du Zen 3. Ne prenez jamais du G. Ne prenez jamais une puce avec du G sur les cartes mères serveur, parce que vous ne pourrez pas utiliser la mémoire ECC.
Donc, tout à l'heure, j'étais tombé. Je crois que c'était. Je crois que c'était celui-là que j'avais pris dans mes tests. Salut, Friends. Oui. IPWAT 6. Ouais, Hurricane, ouais, je l'ai noté. Je sais plus exactement celle que j'ai prise. Mais bon, si on prend 8 corps, est-ce que là c'est 8 corps? Donc là, en gros, pour 1000 balles hors mémoire, on a déjà une conf qui est très très bourrine et qui est à jour. Et si après vous rajoutez de la mémoire, pièce, mémoire PC, mémoire PC. Marque, on s'en fout. Donc on va être sur de la DDR4 ECC. Registre RAID, on s'en fiche. On va prendre. On va prendre. Oups. Ça va limiter. Donc si on veut se taper 32 gigas, la vache, ils la vendent cher celle-là. 720 euros, on a moyen d'avoir beaucoup moins cher. Ah oui, non, c'est vrai que moi, quand j'ai acheté, c'était vachement. Attends, c'est. Ah non, c'est une barrette. Vous achetez deux barrettes de 16 gigas. Vous rajoutez 300 balles. Pour 1300 balles, vous avez un serveur. Oui, friendly, ça peut être un choix. Et après, en boîtier, vous vous emmerdez pas. Vous n'êtes pas obligé de prendre un boîtier rack qui va coûter voilà, minimum 200 balles. Vous pouvez très bien vous taper un boîtier ITX avec un refroidissement tout à fait classique à base de Noctua. Ça fait moins classe que d'avoir un rack, mais ça marche super bien. Vous avez un gros serveur chez vous en format tour. Avec un bon ventilateur de 14 cm de chez Noctua, vous êtes dans de très bonnes conditions. Donc, je reviens à nos moutons. Il est là. Donc là, il y a les event logs. Donc voilà, BIOS, système alerte. Rien de bien transcendant. Ben oui, Hurricane, hein, c'est pour du home lab, c'est si on veut mettre les moyens dans des machines comment dire, qui envoient un petit peu en termes de puissance, sans trop consommer, sans trop avoir un bon ratio qualité-prix, une carte mère, voilà, vous prenez une carte mère ASRock à 430 balles, je vais dire 450. Cette carte mère-là, si vous l'achetez en Allemagne, il y a de fortes chances que vous la touchiez un petit peu moins de, un peu moins de 400. Facile. Faudrait que je retrouve mes adresses en Allemagne. Donc, je vais sur la partie sensor. Donc là, on a vraiment tous les détails. On peut régler. Ça, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Système inventory. Bon, il n'a pas trouvé le. Bon, ça, vous inquiétez pas, mais normalement, on est censé remonter les informations, mais comme j'ai pas le connecteur qui va bien. Voilà, si j'avais les connecteurs d'alimentation qui étaient branchés sur la carte mère, j'aurais forcément ces informations-là. Quand on peut acheter chez Astros Rack ainsi que chez Gigabit, la carte mère déjà dans un châssis avec les alimentations qui vont avec, et là tout fonctionne. La settings. Donc KVM, voilà, là on va gérer toutes nos informations, le certificat SSL, les users, le serveur SMTP. On est sur du home lab, donc on va pas se prendre la tête. Voilà. Voilà, j'ai un utilisateur Anonymous, admin, je pourrais très bien créer d'autres utilisateurs, c'est pas un souci.
Moi, ce qui m'intéresse, Network Setting, donc là, ça c'est pour configurer mon IP de l'IPMI. Mais ça, en fait, je l'ai configuré dans le BIOS, on fera un petit arrêt tout à l'heure. Voilà, si on veut, on peut mettre plein de choses, mais ça sera plus au niveau professionnel que ça devient intéressant. Moi, j'ai configuré Media Redirection Setting, General Settings. J'ai un partage NFS sur un de mes NAS où j'ai toutes mes ISO, ce qui me permet d'éviter d'utiliser une clé USB ou de monter directement l'ISO dans la console à distance. Je vais aller dans Remote Media. Dans Remote Media, donc voilà, je peux choisir ce dont je vais installer. Ouais, ah, merde, j'ai oublié de mettre la musique de fond. Vous voulez qu'on installe quoi comme OS? Ah, pas grand monde. Le but, hein, c'est pas de faire une superbe installation, c'est vraiment faire je crois qu'il a pas pris toutes mes dernières. Ah non, j'ai pas NixOS. Oh, j'ai de l'OpenSUSE, c'est pas sale. Ah merde, le menu déroulant s'affiche pas dans le. Ah ouais, si, exact. Bon, bah désolé pour le menu déroulant. Merci Hurricane pour le retour. Pop, 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 Debian. J'ai quoi en stock? J'ai du Proxmox, j'ai de la FreeBSD, l'Alma Linux, de l'Ubuntu. Allez, c'est décidé. Ravi Noël, non, non. Ouais, on peut installer un Proxmox. Donc, j'ai la dernière ISO. Donc, est-ce qu'on la voit? Ouais. Et là, je dis sur la petite flèche, hop, il va me monter un lecteur virtuel. Donc voilà, j'ai un Proxmox qui est monté en lecteur virtuel. Après, il y a Power Control, maintenant tout ça. Je passe. Donc là, on va sur Remote Control. Loge KVM et là il faut que juste que je reconfigure un truc dans mon OBS. Voilà. Voilà. Donc on a mon écran KVM. Donc dedans, on peut pause vidéo, refresh vidéo, la capture de la souris, des options de zoom, la gestion du clavier. Donc là, c'est... Bon, comme vous voyez pas les menus... Ah si, vous les voyez. Moi, je reste en anglais. Là, on peut envoyer des raccourcis d'écran. Là, j'ai pas configuré. On peut enregistrer ce qu'on fait. On peut mettre le serveur en route, les utilisateurs en cours dessus, donc rien de bien transcendant. Je vais peut-être zoomer, je sais pas si c'est à ce niveau-là. On a BrowseFile, donc là on peut monter un lecteur virtuel. Donc on va récupérer dans son à ce niveau-là, on va récupérer les ISO que j'ai. Pour monter direct, mais là
On va pas se prendre la tête. Donc là, on démarre la machine. Donc voilà, vous voyez, il y a la, on a la, notre IP du BMC. Donc là, j'ai fait F2 pour aller dans le BIOS. Oui, j'ai une carte réseau Mellanox. Bon, on n'a pas été dans le BIOS, je vais juste... Je vais juste me débrouiller pour qu'on y aille. Anglais, taïwanais et allemand. Ne demande pas pourquoi allemand. Voilà, on va aller dans le BIOS. Ouais, j'ai pas dû le faire au bon moment. Hop. Bon, bah, comme vous pouvez voir, un super rien de transcendant en soi. Donc voilà, j'ai un Ryzen 5 3600, donc un 6 cœurs. C'est la machine que j'ai utilisée pour faire mes benches d'hyperviseur et je compte refaire pour d'autres benches, un de ces quatre. Mais faute de temps, et puis j'attends aussi la nouvelle version de XCPNG parce que j'ai pas envie de recommencer une campagne de bench un mois après avoir fini celle-là, ça m'embêterait. Parce qu'une campagne de bench, c'est un mois de taf. Donc voilà. Donc j'ai un Ryzen 5, 64 Go de RAM, 2 barrettes de RAM. Là, on change l'heure et la date. Dans Advance, donc voilà, rien de bien transcendant. Voilà, c'est ça que je voulais configurer. On va faire enable. Enable. On va faire du VTUF8. Ouf, non, on va rester en VT sans plus. Donc on reste en 10-30. Ça va être pour faire passer, utiliser l'IPMI. Du moins, pouvoir se connecter au serveur via le port série encapsulé dans le port LAN. On m'a parlé de ça sur Twitter. Je vais me faire ça. Peut-être pas pour aujourd'hui, on verra si on a le temps. Hop, dans l'éditeur d'image. Legacy console redirection comme 1, donc là voilà, ça c'est la redirection. Après tout le reste, voilà, c'est on s'en fiche. Ici, quand on démarre la première fois sa machine, c'est là qu'on va gérer notre IPMI. Bon, il est pas en... Là, je sais pas pourquoi il me met en. Comme si c'est assis en statique. Donc là, c'est bon. Oui, ça va. C'est le 3600. C'est pas le truc de ouf. Oui, c'est assez roots, mais faut que je le teste. Depuis le temps que je fais de l'installation de serveur, vous allez rire.
mais je n'ai jamais fait d'installation ou utilisé le port série sur des serveurs. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent, moi je ne l'ai jamais fait. Donc là, à partir de là, on peut gérer nos différents notre boot. Donc là, je laisse. Je voulais voir un truc. NVMe configuration. Donc j'ai deux SSD de 1 Tera de. C'est pas des SSD de ouf. C'est du Samsung 980. Oui, je pense aussi, Rican, je pense que ça doit être pour ça. Donc là, dedans, j'ai deux SSD de 1 Tera NVMe. Et j'ai deux disques SATA de marque chinoise de 512 Go. Hop. Ah, c'est bon, le Smart Supported. Et là, il me détecte pas sur les ports M2 de la carte mère. Ce que j'utilise, comme je vous disais, une carte sur le port PCI 16X. Ce qui me permet d'avoir de meilleures perfs. Et je peux surtout mettre 4 SSD en plus. Et sans avoir les limitations des ports NVMe de la carte mère. Et c'est dans chipset configuration, si je me trompe pas. Non, c'est pas là. Punaise, c'est où ça déjà? Peut-être dans CPU. Est-ce que je suis obligé de faire une. Ah, je sais plus où c'est. D'utiliser une fonction particulière sur la carte mère pour pouvoir utiliser scinder le 16X en 4 ports 4X. Je vais essayer de te retrouver ça. Et en plus, je l'avais acheté sur AliExpress, donc je vais retrouver ça, mais c'est au fin fond de mon bordel Twitter, je pense. Ce que j'ai pas fait d'article. Bah attends, je vais regarder quand même sur mon AliExpress. Et ne pas autoriser. Se connecter. Est-ce qu'il va me faire chier contre mes commandes? Bon, le produit que j'essaye de trouver. Le produit n'existe plus. Donc ça m'avait coûté. Ça m'avait coûté 30,59 €. Je vais essayer de retrouver où est-ce que je pourrais. Je mettrai sûrement sur Twitter ou dans les commentaires. Oui, par contre, il faut faire vraiment très attention. C'est sur la. Je me souviens que j'avais galéré. Ah, c'est peut-être là. Non. Je sais plus où c'est. Ah, voilà, c'est là. C'est cette option-là, salut Gaëtan, où je peux choisir sur mon port PCI 16X comment je l'utilise en 16, en 2x8, 8, 4, 4, 4, 4, 8, et moi je l'utilise en 4x4x4x4, ce qui est très pratique. Donc voilà. Donc là. Yes. Oui aussi, oui. Mais là c'est différent. Là, on est vraiment sur le côté
matériel. Friendly, là, c'est. Le but, c'est utiliser une carte PCI Express 16X où on cale 4 SSD dessus qui sont automatiquement gérés par les lignes PCI Express et on ne passe pas par un convertisseur qui style RAID pour pouvoir. Comment dire pour pouvoir monter les SSD. Là, ils sont vraiment en accès direct. Et après, effectivement, on peut les passer. Après, on peut être en passe-through et y accéder en direct dans une VM. Oui, les cartes mères serveurs ou stations de travail sont plus longues à démarrer. J'espère qu'il a toujours mon lecteur monté. Ouais. Tac tac tac, qu'est-ce qui se passe? Salut Vivlash. Qu'est-ce qui se passe? L'effet démo tout à l'heure s'était bien lancé. Oui, ça loopboot. Je pense qu'il n'a pas pris le lecteur CD virtuel. Ouais. Non, non, c'est normal, Hurricane, parce que c'est, je passe pas par le lecteur du haut, je passe par le partage NFS. Ouais, bon, je sais pas ce qu'elle me fait la machine. Hop, je vais juste vérifier un petit détail. Image redirection. Non, c'est bon, elle est bien montée. Ah, j'adore l'effet Bonaldi. Ah là 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 là. Et j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Punaise. Crotte, zut, flûte. Voilà, entering boot menu, t'as intérêt de t'afficher parce que sinon la bagarre. Je suis un petit peu en panique là. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, ma machine m'a fait des misères là. Ouais, ça me fait.
Je sais pas ce qu'elle me fait. Allez, je veux que le BIOS s'affiche. Ah ouais non mais là j'ai vraiment une merde. Oh mince. Ouais. C'est la merde. Ok. Bon, c'est officiel, je suis dans la mouise. Fait chier. Bon bah j'espère que ça sera pas un fail. On est venu ouvrir ma porte. Tac tac tac. Donc là il y a bien l'image. Je vais l'éjecter.
Salut, plus de lapin féroce. Ouais, mais faut que ça soit un reset du BIOS là, carrément. T'inquiète pas, là c'est en mode un peu panique. Ouais, Hurricane, là ce qui m'intéresse c'est pourquoi j'ai ce boot en boucle qui me pose vraiment un gros souci. Bon allez. La grande question, c'est de savoir quelle IP il va prendre. Merde, 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 merde. Ouais, c'est la merde. Ça, c'est la Celsio. Donc ça, c'est le PDU. Ça, c'est bien ma branche IPMI. Justement, je suis sur le DHCP chez moi et pour le moment, je n'ai rien. Je n'ai rien dessus. Punaise. Donc ça, non. Non. Pix. La loose. C'est quoi le HS110? Ouais, non, je crois qu'il a pris une IP, je sais pas laquelle. Il a une IP fixe, ou alors la conf réseau n'est pas installée.
Ouais, c'est à peu près ça, Chavenay, la carte que j'ai. Non, non, malheureusement, là, c'est... Je vous cache pas, c'est la merde. Je crois que c'était 253. Merde, merde, merde. Et puis bien évidemment, j'ai pas de câble VGA sous la main. C'est quoi l'IP41 là qui traîne? Je la connais pas celle-là. Ouais, j'en suis à faire un Nmap. Ah, c'est la télé. C'est la télé 252. Je crois que c'est admin. APC, APC. Oui, j'ai perdu l'adresse IP de l'IPF Nichavenay. C'est en cours. Pop. Merde. Merde, merde, merde. Je sais pas si vous voyez encore le streaming.